L'attribution de la CAN 2019 à l'Égypte n'a pas entamé la détermination du Cameroun à organiser une édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur les chantiers. La pose de la toiture est achevée au stade Paul Biya, situé à Olembé, près de Yaoundé. L'heure est désormais à l'aménagement de la pelouse. Le constat a été fait lors d'une évaluation faite par le gouverneur du centre. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'est à n'en point douter l'une des avancées visibles du projet de construction du stade Paul Biya d'Olembé. Il est désormais aisé de marcher sur la pelouse de l'un des stades annexes. Les travaux se poursuivent sérénement d'après les assurances données par les responsables de l'entreprise Piccini. Comme on peut le voir en arrière-plan, le gazon est aujourd'hui est terminé. Il continue de pousser, on est en train d'enlever les mauvaises herbes, enfin on est vraiment en finale. Et on a donc attaqué la piste d'athlétisme qui est autour. Donc on est en train de finir les derniers drainages pour la piste d'athlétisme. Et dans les jours qui viennent, on va mettre donc les fondations de la piste et de mettre la piste. L'autre annexe est un petit peu plus en retard, mais la piste d'athlétisme sera faite dans la foulée de celle-là. Quant au stade proprement dit, les travaux ont également connu une réelle évolution depuis la dernière visite du président du comité de site. Notamment la toiture qui était un élément un petit peu clé. On a fini de démonter la grue qui occupait le terrain principal notamment. Et donc maintenant on est en train donc de finaliser la passerelle autour de la toiture, dans laquelle est accrochée toute la partie sonore et lumineuse. Et donc nous allons démarrer d'ici moins de 2 semaines le terrain principal. Dans les autres compartiments, ça bouge également. Aujourd'hui, donc, on est en train de finaliser également, par exemple, dans le stade principal, les ascenseurs. On a commencé, il y en a déjà deux qui sont montés, et 2 qui sont en montage actuellement. Et on est en train de finaliser aujourd'hui les câblages et les faux plafonds. En attendant de poser donc ce qu'on appelle les accessoires, que ce soit sanitaires ou les accessoires électriques. Une évolution que le président du comité de site et sa délégation ont touché du doigt avec satisfaction, en souhaitant que Piccini continue à appuyer sur l'accélérateur. Quand on était ici, on était autour de 30 000 chaises. Maintenant, nous sommes à plus de 50 000 chaises déjà fixées. Il reste les chaises VIP qui ne peuvent pas être fixés actuellement. Nous sommes là pour continuer à suivre sur le terrain l'évolution de ces chantiers. Petit à petit, nous faisons les bons chemins pour la CAN programmée au Cameroun. L'attribution définitive de la CAN 2019 à l'Égypte est venue clore tous les débats. L'heure n'est plus aux spéculations inutiles, mais bel et bien au travail. Ici le stade Paul Biya d'Olembé, Élisée Bogba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.